Mais parce que je suis tombée d'un escalier, euh, je voulais acheter une maison et je visitais cette maison. Et en descendant, j'ai sauté un peu sur l'escalier et puis l'escalier s'est effondré sous moi. Et la raison de ça, de cet effondrement, je n'ai pas été blessée, mais c'est qu'il y avait de la mérule dans cet escalier et que cette mérule avait bouffé un escalier en bois. La mérule avait bouffé des marches de cet escalier et je suis tombée. Et je me suis dit que c'était extraordinaire parce qu'en regardant d'autres marches, on ne voyait rien du tout. C'était impeccable. Et je me suis dit que ça pouvait être un, un symbole de quelque chose. Et en fait, euh, j'en ai fait un peu le symbole d'une de, de, famille qui est détruite petit à petit parce qu'il euh, y a un peu une mérule entre eux. Il, y a pas, il manque de communication, euh, ils ne se disent pas tout, ils ont chacun des vies séparées. Tout ça interagit et euh, fait en sorte que finalement cette famille semble tout à fait se, dé, se désagréger. J'ai pris deux personnes qui étaient très opposées, euh, déjà par euh, la, leur façon d'être. Euh, L'une est bavarde et l'autre euh, ne l'est pas. Elle, elle a changé, elle vivait pendant un monde où c'était très chaleureux, très bien et tout, où elle avait un poste important. Et elle a abandonné ce poste pour venir soigner sa vieille maman. Elle recommence une, nou une nouvelle vie. Donc elle a son problème de recommencer une nouvelle vie, et l'autre a son problème de communiquer et d'être amoureuse, de pouvoir l'être, de pouvoir avoir encore une vie sexuelle, ce qui est dénié aux vieilles personnes. On n'accepte pas que les vieilles personnes aient une vie sexuelle. C'est dégoûtant dans l'esprit des jeunes. Euh, ces deux vies ensemble, c'est horrible. Bon donc voilà, ces deux personnes se trouvent ensemble. La première n'a rien à voir, n'a rien à faire avec les problèmes de l'autre. Euh, elle ne veut même pas les connaître ou peut-être peut même pas les entendre. Et l'autre, elle voudrait se faire comprendre. Et euh, donc il y a cette relation. Elle est, elle est elle va vers l'échec, évidemment. Et euh, il n'y a qu'une chose, le, qu chose qui soutient la plus vieille, c'est les souvenirs. Et il n'y a qu'une chose qui soutient la plus jeune, c'est qu'elle veut refaire sa vie de professionnelle, qu'elle a abandonnée. Elle a abandonné quelque chose de très brillant, un poste très brillant, pour se retrouver à demander des emplois. Et là, euh, elle connaît quand même une chose, les... c'est qu'elle a été se présenter à différents emplois, et on lui a dit, mais madame, vous avez 56 ans, non pas 56 ans je crois, vous avez 51 ans, et à votre âge, on commence à prendre sa retraite, on pense à sa retraite. Donc on ne voulait pas l'employer. Et elle avait le choix entre chercher, continuer à chercher, 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 et ne pas trouver, enfin finir par trouver, parce qu'elle a fini par trouver, ou prendre quelque chose qui était tout à fait en dessous de ses capacités. Oui, c'est un choix délibéré, parce que bon, en Occident, euh, j'ai beaucoup vécu en Orient aussi. Hein, en Occident, les femmes peuvent commencer à dire, peuvent commencer à se grouper. Ça, c'est la force des hommes, c'est de faire des groupes, c'est de faire des réseaux. Les femmes ne font pas facilement des réseaux. J'essaye de mettre en, 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 des personnages féminins dans ce que j'écris pour qu'elles puissent, pour faire un peu comprendre par là leur la vie qui est difficile pour elles. Notez que j'ai écrit des livres où je, je me suis mise à la place d'un vieux bonhomme, hein <laughs> où je me suis mise à la place de la femme du vieux bonhomme. En fait, c'est ça écrire des romans. C'est prendre des petits morceaux de vie que vous, vous trouvez un peu partout, des morceaux de votre vie aussi, et de faire un, un patchwork avec ça, et quelque chose qui se tient. Et donc, euh, vous impliquez les autres. Vous vous impliquez vous-même et vous essayez de faire des personnages qui interagissent et qui se tiennent. Mais je suis très contente de vous, édition Baudelaire. Je suis très contente parce que vous êtes une maison que je trouve familiale, où il me semble qu'il y a une bonne entente dans le groupe, avec toute l'ironie qu'il faut pour qu'un groupe tienne. Euh, bon, je ne sais pas. Euh, euh, moi, je voudrais bien vendre mes livres, évidemment, parce que je voudrais bien donner, euh, je voudrais bien donner le, les, petits, les petits sous que je pourrais avoir, les petits sous plus, 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 que je pourrais avoir à deux associations qui me sont chères. D'abord, une association qui lutte contre le cancer, ça m'est me, ça, ça particulièrement cher, et une association qui lutte aussi contre l'Alzheimer.